Hello les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et prise en main d'un produit high-tech chinois que j'ai reçu aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. S'en suivra bien sûr la vidéo test derrière. Aujourd'hui, donc il s'agit du Meizu, en fait 8X, donc la version ici bleue 628. Donc on peut lire ici, vous avez pas mal de caractéristiques sur la boîte ici. Donc on peut lire en fait qu'il est donc full 2G, full 3G, full 4G, donc 850, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600. Il manque la B28 malheureusement pour les free notes. Wi-Fi ABG NAC, Bluetooth 5.0. Voilà, donc le paquet est scellé. C'est arrivé tout chaud, tout beau. Tout magnifique, tout much, much, much. Voilà, donc un produit original, la globale version, justement pour avoir tous les services Google directement installés. C'est fermé, c'est scellé, voilà. J'ai déjà testé des Meizu, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas, donc voilà, vous reprenez en fait ici toutes les caractéristiques ici du téléphone. Le 8X, donc écran 6.15 pouces Full HD+, Qualcomm 710. Très bon smart, processeur, donc 464, non, c'est pas cette version. Caméra avant de 20, caméra arrière de 12 et 5, et, Fast Recognition, Flyme OS 7. Pas de film de protection, alors manque avant de regarder le téléphone, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc le PIN pour l'extraction. Donc voilà, global version oblige, toute la doc qui va avec, donc toutes les langues. Voilà, vous avez beaucoup de... Donc particularité de ce smartphone, il n'accepte pas de carte micro SD. Eh oui, de l'importance de prendre une version avec du stockage. Hop, là. Donc, câble de rechargement type C. Voilà. On type C. Toute sa grosse boîte pour ça. Et ça s'annonce d'être un gros chargeur. Je sens le poids. Il est énorme. Donc logoté Meizu, il est donné pour, il faut lire, hein. Oh la vache, même sans la caméra j'arrive pas à lire, ouais ben il n'y a que ça, hein. Alors attendez, je vais me rapprocher parce que j'y arrive pas. Mais écoutez, ah moi c'est, ouais, c'est, oh mais c'est peut-être là, oui, c'est peut-être là sur le devant. Donc 12 volts, 2 ampères. Il va cracher quand même, hein, le truc. Hein. Donc un gros chargeur. Donc Meizu, rappelons-le, qui n'est plus commercialisé en France. Donc ils étaient en France. Et puis ils ont quitté le marché français. Ils comptent y revenir. Voilà. Donc pas de protection ni de coque silicone ni rien quoi, donc vraiment le strict minimum syndical Meizu, voilà, c'est pas terrible. Le téléphone est super beau, donc couleur bleue magnifique. Donc là vous avez une petite protection ici au niveau des caméras, donc ça je vais l'enlever. Hop.
Voilà. Donc double caméra arrière, double flash LED, une belle couleur bleue. Là, j'ai pas d'angle. Voilà, regardez-moi ça. Magnifique. Très très belle couleur bleue. Vraiment superbe. Donc je la remets pour protéger avant d'avoir une coque. Donc contour métallique bleu également. Très très bien ajusté, fini, rien à dire. Donc en bas, USB-C. Donc gris haut-parleur. Caméra de devant, gris haut-parleur également. Le jack est là. Passage d'onde. Donc côté droit ici, volume plus moins, bouton allumage. Et sur le côté gauche, donc double carte nano SIM, voilà. Donc il n'y a pas de micro SD ni quoi que ce soit. Comme je vous l'avais dit, d'où l'importance de regarder la version qui vous convient, 464 ou 628. On va l'allumer. Donc il est très, très compact hein, par rapport à ce qui se fait maintenant. Des trucs énormes. Voilà, Meizu. Écran 6. 15, maintenant on est plus sur du 6.3. Donc Flyme OS qui doit tourner sur Android 8 Oreo. Voyez la griffure du chat qui m'a fait. Regardez-moi ça, il m'a fait une belle balafre. Ça m'apprendra aussi hein, à faire le coin avec lui. Bon, en fait, le chat, plus on fait le con, et plus il fait con avec nous. Donc, et résultat, il m'a pas loupé. Démarrage un peu long par rapport à, ouais, par rapport aux autres. Ouais, quand même. Voilà, ça. C'est long, c'est long quand même. Bon, je vais couper peut-être. Ah, voilà. Donc voilà, multilingue directement. Français. Continue. France. Accepter. Allez, on va mettre le code. Connecté suivant. Donc l'avantage c'est que vous voyez, vous avez les services Google, Chrome et multilingue. Quand vous prenez comme ça une version globale. Ouais, ignorer. Bon. Coco, je vais ignorer. Ignorer. Accepter. Ignorer. Démarrer. Le doigt. Voilà, c'est pareil, ça fonctionne parfaitement bien. Donc rien à dire.
Je vais l'installer, sauter. Voilà. Donc on arrive sur l'interface maison de chez Meizu. C'est compris. Meizu Store. Donc là, on a les raccourcis sur la partie haute ici. Google Play Store. Du chargement directement. Très bel écran. Donc les bordures sont très fines. Bon, je vais vous mettre quelque chose de blanc. Ah non, arrangé. Fond d'écran. Voilà, ça c'est mieux. Voyez, très fine, vraiment les bordures, vous voyez, avec un notch très très fin également. Plutôt pas mal, très bel écran, donc une boutique de thème ici, paramètres. Voilà, donc ça c'est les mises à jour, au réseau, tac 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 tac. Empreinte digitale, mise à jour du système. Donc vous voyez, vous avez les mises à jour au tas, erreur. Miroir, enfin bref. À propos du téléphone, donc on est sur le Meizu, voilà. Tac, Android 8.1, coactif du 1er septembre, 628. Donc plutôt pas mal. Donc le téléphone a l'air très rapide. Voilà. On va essayer le lecteur d'empreintes digitales. C'est hyper rapide. Non. Ça marche très très bien. Au niveau de l'appareil photo, HDR. Non HDR, auto, voilà, auto, quadrillage, ça c'est pas mal, 4 tiers, 18 neuvièmes, donc vous avez de l'intelligence artificielle également, qui rentre là-dedans, mais ça inaugure quand même de très très bonnes qualité cet appareil photo. On va essayer de prendre une petite clé comme ça. Voilà, c'est très rapide. Ça granule un peu quand on zoome énormément, mais vous voyez, c'est quand même très très propre. Rien à dire là-dessus. Caméra de devant. quadrillage, ok, donc là 18 neuvième, pareil. Wistiti. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Vous voyez, c'est très correct. Hein. Voilà, voilà. Bah écoutez, donc c'était le déballage et la prise en main de ce Meizu X8. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, la partager sur les sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description de ce téléphone. Je vous embrasse, abonnez-vous, pouce bleu. Voilà, formule magique. Allez, ciao, ciao. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Media Info. N'oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.